Bienvenue dans l'interview de Rochefort Lacran. Aujourd'hui, nous allons l'interviewer sur son repas qui a eu lieu tout à l'heure. Alors, déjà, comment avez-vous trouvé cette nourriture? Ah, c'est dégueulasse. La nourriture du sel, de gestier, avec les petits cailloux, le camembert, avec les larves. C'est excellent. Ça coulait sous la langue. Vous voudrez savoir quelle sensation j'ai eue. Bah, on dirait que vous avez. On dirait quand même que vous avez une tranche de sensation, puisque vous avez à la fin, quand même, je vous rappelle, monsieur Rolf-Paracrop, vomi. Oui, j'ai vomi le petit morceau de tomate, avec mon molar et tout. Ça dégoulinait par le nez, par la bouche. Et vous pouvez croire que c'était chaud, c'était déjà réchauffé. Hein. C'est comme si c'était sorti du four micro-ondes. Oh putain, j'aurais dû la recouper, cette tomate. J'espère qu'elle y sera encore demain. Je vais en penser toute la nuit. Ah oui, ça me fait. Et qu'avez-vous pensé des haricots verts? Oh, fraises d'haricots verts du jardin. Oh, c'est magnifique. Hein. Des haricots verts, tout collé, tout pâteux, qui donne une haleine fraîche. Ouais. Pour l'haleine fraîche, je confirme. Hein. C'est très frais. Alors, une autre petite question. Comment trouvez-vous en fin de compte la nourriture de ce fameux self de Jean Moulin? Tout à fait, pas comestible. Ça peut pas se manger, ça. Donc, vous rendez compte? Même les cannibales, bon, vous ferez pas. Même les clochards. Donc. C'est une nourriture. Donc vous soutenez que lorsqu'on dit que c'est vraiment un fan. Ah oui, c'est vraiment un fan. J'aurais même pas goûté cuit. Hein. C'est meilleur cru, j'ai l'impression. Petite information, cher Rolf-Paracrop, c'est vécu. Ah bon, bah c'est refroidi alors. Ça venait passer dans mon estomac avant et j'aurais dû le recracher, ça m'était réchauffé. Oui, bah c'est ce qu'on nous a dit, de remanger après, c'est chaud. Ah oui, ah putain, ça me colle dans les intestins. Ah. Ah, c'est pire que les poils de bite. Hein. Mais, pareil, en parlant de sensations de tout à l'heure, vous nous avez fait une petite confidence tout à l'heure. Des bonbons que, Des bonbons. S'il vous plaît, monsieur Rolf-Paracrop, ne me niquez pas mon interview, d'accord? Alors, je disais, oui, donc tout à l'heure, lorsque vous avez mangé ces fameuses tomates, ainsi que les haricots verts et les gésiers, vous avez dit avoir une sensation d'envie de vous branler. Ah oui, j'aurais bien essayé de branler après ce bon petit repas. C'est le dernier repas des apôtres. Ah oui. Tiens, un bonbon, Steven. Ah, merci. Oui, nous avons une petite question à vous poser. Il paraît que vous avez fait l'amour avec une fille dans une cave avec des pommes de terre. Exactement. J'en ai ramené du fromage, j'en fais de la tarte complète. Vous avez les questions branlées et tout. La tarte du pain. Alors, oui, j'ai une petite question. C'est moi. Tahiti. Il n'y a pas ce Tahiti? Un Tahiti coulant sous le gland. Magnifique. Féerique. C'est fabuleux. Ça t'adresse plus vite que l'éclair. Croyez-moi, je ne rêve pas. Il paraît que Kekator se transforme en Super Saiyan. Ah oui. Il devient tout rouge. Après il devient tout jaune. Après il devient tout vert. Il redevient jaune. Et il grossit de part en part. Il paraît que vous avez dit aussi que le Big Japorum. Un Big Japorum, on va ne pas essayer. Ah non. Ah ouais. Ah, coulant. Une nuit chaude, chaud la fin. Une nuit. Tripotage. C'est pas super attrayant, donc le Big Japorum. Ah non. Par contre, ça te protège du rhume. Donc vous insinuez comme étant du Big Japorum sur notre sexe, aucun risque de s'enlever. Ah non. Faut pas attraper un rhume de la queue. C'est impossible. Un problème de queue, c'est toujours embêtant. Non, mais c'est pour la fille qui la sucera, elle aura plus de rhume. Ouais, mais ça donnera, oui. Qu'il est assez grand pour prendre les poussins. Ah oui, pareil. En fait, on a eu un petit témoignage de. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Okay. Le 10e sur Rolf-Paracrop, on a eu un petit témoignage de quelqu'un, qui a su pour vous et la fille dans les pommes de terre dans la cave. Que vous
Est-ce que vous a, comme vous dites, fait une petite fellation? Ah oui, je vais bien se péter le cul. Non, en fait, si vous voulez, une petite fellation, c'est quand elle vous suce votre sexe. Ah non, 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 j'ai pas mis de magnifique, pas pourri. C'est quête, sentir transpiration. Pas bon ça, pas bon. Et, pas bon pour pas d'être la fille. Est-ce qu'elle vous a branlé? Ah non, c'est quête d'or, c'est glissant. Je suis assez grand pour faire tout seul. C'est quête d'or, c'est glissant. Donc il y a une banane de matinée. Banane de matinée. Donc Babab de Mamako. Babab de Mamako, oui. Donc il y a été quoi en gros? Les pétés cul, le devant, le derrière, les oreilles, le nez, le palais, les dents. Ça devait envoyer de la frite. Ah oui, de la frite, même de la raclette, des mollets. Le camembert, Joël Robuchon, pour faire de bonnes tartiflettes. Petite info, s'il vous plaît. La tartiflette, c'est avec Robuchon. Comme Joël. Robuchon comme Joël. Oui, oui. Roblochon. Roblochon. Oh. Roblochon avec du cornichon. C'est fabuleux. Non, il n'y a pas de cornichon dans la tartiflette. C'est pas possible. Ah bah si, moi je vous dis hein, ma mère fait souvent les tartiflettes. Bah pourquoi le reblochon était vert alors? Le reblochon n'est point vert. Alors il était périmé. Non, comme mon gland, sans le vide évaporé. Non, il est jaune. Après il est redevenu jaune, quand je l'ai tripoté. Non, je parle du reblochon. Ah oui, 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 effectivement. Moi, excusez-moi, je tiens à préciser que... Il a mangé l'ancien micro. Voici le nouveau, je vais chercher moi-même. Merci, très cher. Non. Manger cuillère. C'est un micro, monsieur. Ah, il s'est coincé dans ma dent. C'est aimanté. Oh, oh. Non, non, gardez le souvenir, cadeau. Ah, d'accord, vous l'avez cassé. La langue métallique. Ça. Ah, c'est plein de bave. Petite petite plaisante. Je pense que l'interview finit. Je pense aussi. Bon appétit, bien sûr. Oui.